Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Si tu es allergique à la vérité, vraiment, il faut partir ailleurs. Parce qu'ici, là, ça défibrille. Ici, c'est la vérité. Voilà. Nous, on n'est pas ici en train de casser les papos et en train de polluer le cerveau des gens. Nous, ici, on se remet en cause. D'accord? On prend de bonnes résolutions. Et puis, on prend l'ascendant. Ça veut dire, on monte. Nous, on va en haut. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler des dangers de l'alcool sur la vie de notre jeunesse. Je vais m'adresser au gouvernement en Afrique. Je vais m'adresser aux parents aussi qui sont responsables, parce qu'on est responsable de cette déchéance-là d'une manière ou d'une autre. Et puis, je vais m'adresser à mes petits frères qui me suivaient. Vous êtes beaucoup dans mon inbox. Vous, mes enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans, que ce soit filles ou garçons, l'alcool que vous voyez là, l'alcool que les Blancs ont créé là, eux-mêmes les Blancs là, ils savent que l'abus là, c'est pas bon. Moi, je travaille chez Blancs, hein. Je travaille chez Blancs. Blancs ne boivent pas comme nous les Africains, on boit là. Aujourd'hui, tu vas aller en Afrique, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a un mouvement, on appelle, je vais voir mon Kadhafi. Les enfants là se droguent. Et puis les enfants là boivent l'alcool. Tu vas aller sur le campus de Cocody, il y a des petits maquis comme ça, tout est rempli d'alcool. La bière. La bière. Vous connaissez, vous les enfants là, vous savez ce que ça fait, ça crée sur votre santé. Imaginez un enfant qui commence à boire l'alcool depuis l'âge de 16 ans, parce que c'est ce qui se passe en Afrique. Jusqu'à ce qu'il ait 35 ans là. Mais c'est normal qu'il ait une insuffisance rénale. C'est normal que l'enfant ait une cirrhose de foie. C'est normal, hein? C'est pas sorcellerie. L'alcool, la bière en bois, vous buvez la bière en Afrique, on dirait de l'eau là. Les Blancs sont allés déposer leurs brasseries là au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. Et puis vous avez chargé ça. Eux, ils s'enregistrent, c'est ça, hein? Leur argent, ils prennent et puis ils viennent développer leur pays ici, leur système de santé, leur système éducatif, au détriment de vous, votre misère. C'est de ça que je parle dans la vidéo là. Prenez vos tabourets. L'alcool que vous ingurgitez là, vous mes enfants là, à l'école là, tu es en train de boire l'alcool à 16 ans là. Mon petit, ma petite, tu peux pas, tu vas aller écrire quoi à l'école? Parce que l'alcool là, quand on boit là, c'est le cerveau qui prend un coup. C'est le cerveau qui absorbe tout ce qui est néfaste là. Et vous avez un cerveau qui est dérangé. C'est pour cela qu'à l'école là, vous, ça ne va pas. Et puis vous passez bac 5 fois et puis vous abandonnez là. C'est l'alcool là. Ce n'est pas les sorciers. Et vous les parents, vous êtes là et puis les enfants là consomment l'alcool devant vous. Puisque vous-même là, c'est devant les enfants là, vous buvez bien. C'est devant les enfants là, vous êtes en train d'aligner les casiers de bière. Vos enfants en 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis c'est devant eux, vous buvez l'alcool. Donc, ils vont vous emboîter le pas à l'âge de 14 ans, 15 ans. C'est, en fait, c'est quelque chose, c'est logique. Il y a une vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines de cela, où on montrait où des adultes filmaient et ils ont mis en scène des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans en train de faire challenge de boire bière. Et il n'y a aucune impunité et ça fait rigoler les gens et ça passe parce qu'il n'y a rien en face. Ceux qui ont filmé la scène là, ils sont en liberté. Hein? Je ne sais pas dans quel pays. Quand tu vas prendre un pays comme le Cameroun, chez eux là, l'alcool c'est comme... Je sais pas, c'est leur devise, l'alcool, la bière. Les Congolais laissent tomber. Voici les Ivoiriens qui sont venus s'ajouter. Nos papas là, eux tous, ils ont les gros ventres à force de boire bière. Ça ne dérange personne. On va faire anniversaire d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Anniversaire de l'enfant là est devenu challenge de boisson. Tu vas voir le papa, il va inviter tous ses amis dans l'anniversaire des bébés. Et puis c'est devant les enfants là. Ils vont commencer à boire l'alcool. Moi, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille quand elle avait 6 ans. J'ai fait son anniversaire ici à la maison. Et donc, j'ai emmené les cartes d'invitation aux parents.
tellement bien, moi je ne mens pas. Il y a un papa blanc avec qui je suis très intime. Le papa de la copine de ma fille. Il dit, Ange, j'espère qu'il n'aura pas d'alcool là-bas. Hein. J'ai dit, comment ça? Il dit, ah, que l'année dernière, j'ai ma fille qui a été invitée par sa copine africaine. Il a bien précisé. Il dit, il ne faut pas le prendre en mal, mais ça, à ce niveau-là, franchement, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout sain. Donc, il emmène sa fille à l'anniversaire. Et puis, il vient, il est venu un peu plus tôt parce que la petite, il devait l'accompagner chez le pédiatre. Donc, il arrive, il voit le papa de la petite qui fêtait l'anniversaire avec une bande de copains devant des casiers de bière et de vin et de whisky et de je ne sais quoi. Il a été choqué parce que ça, eux, ils font pas ça dans les cultures. Ils n'aiment pas ça. Ils boivent, hein, mais pas comme ça, pas devant les enfants comme ça, ou bien pas à l'occasion de la fête d'un enfant. Surtout qu'un enfant a un si jeune âge. Donc, le monsieur, ça l'a choqué. Donc, il me pose la question. Que je sais pas que je... Mais j'ai dit, mais moi-même, je vis seule. Ça fait d'abord un. Je ne suis pas avec un homme. Et puis, tu connais mon mindset quand même. Il dit, ah, d'accord, non, mais je voulais être sûre. Donc, il est venu accompagner déployer sa fille. Et on se fréquente et on est très proches. Parce qu'il aime mon système de pensée. Ma fille même, souvent, ils sont là. Ah, viens déposer ta fille, elle va passer comme ils ont un jardin, une piscine. On est dans la même ville là. Et ils sont un peu du côté, de l'autre côté là-bas. Ils ont un jardin, une piscine. Donc, ma fille, souvent, ils viennent la chercher. Et puis, elle va en été, elle va là-bas pour la piscine quand il fait très chaud. Donc, on se fréquente parce qu'ils savent, que mon enfant ne peut pas avoir une influence négative sur leurs enfants. Du coup, ça incarne le respect, ça force le respect. Je fais cette petite anecdote-là pour vous dire à quel point on est beaucoup affiché. Vous, les parents africains, là, c'est à cause de vous qu'aujourd'hui, là, notre jeunesse boit à 13 ans. Les petites filles, là, elles sont dénudées, en train de fumer chicha. Les boîtes de nuit. Comment toi, une maman, tu as mis ta petite fille au monde. Et puis à 14 ans, elle se maquille. Et puis ça ne te dérange pas. Est-ce qu'à 14 ans, on se maquille? Ces questions, moi, je vous pose. Ta petite fille à 14 ans, elle s'en fait piercing sur le ventre, sur la langue. Moi, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à ma vie. Moi, ma fille va aller faire quoi? Piercing. Où? À quelle heure? Elle passe où? Elle rentre où même? C'est dans quelle maison elle rentre un piercing là? N'y avait-il? Vos enfants sont dehors jusqu'à 23 heures en train de boire. Vous n'avez même pas accès au téléphone de vos enfants. Vos enfants font challenge d'alcool. Mais papa, est-ce que papa est là? Papa est dans les cuisses des petites filles là-bas. Papa, c'est un pédophile. Il est dans les hôtels là-bas avec les enfants, avec les mêmes filles de 15 ans là. Non, maman se débat seule. Maman aussi qui on l'a compté là. Maman en train de faire tchatcho. C'est ça. Maman en train de faire tchatcho. Si elle n'est pas sur tchatcho, elle est sur TikTok. Maman n'a pas fini de regarder tous les buzz. À quel moment maman va venir contrôler tout ça là? Les enfants là sont livrés à eux-mêmes dans la communauté africaine. Mais vous êtes étonné de quoi? Vous êtes étonné que dans nos états, il n'y a que de la médiocrité, les politiques sont des voleurs, les ministres sont des braqueurs de vie, tout le monde est minable, mais c'est l'alcool là. L'alcool dérange le système cérébral, l'alcool dérange le cerveau. C'est l'alcool, vos enfants boivent depuis, ils ont... Quand j'étais très jeune, à Abidjan, j'ai assisté à une scène qui m'a scandalisée, mais les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais scandalisée. Mon tonton et puis sa femme donnaient l'alcool à leur bébé. Et puis ils en rigolent. Et puis l'enfant fait... Et puis ils rigolent. Ils en donnaient... Je sais pas si c'était vin ou whisky à l'enfant bébé. Et puis l'enfant faisait la grimace et puis ça rigolait. Et puis j'étais choquée, et puis j'ai pété un câble. Et ils se sont posé la question pourquoi j'ai pété un câble. Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Regardez cette mentalité de misère.
Notre jeunesse est alcoolique aujourd'hui. Nos jeunes enfants sont des alcooliques pathétiques et notoires. C'est quelle production intellectuelle ils vont faire? Ils sont obligés de payer le bac. Vous êtes obligés de payer bac pour vos enfants. Vous êtes obligés de les payer leur concours. Mais parce qu'ils sont nuls. Attends, tu bois alcool à partir de 13 ans. Toi, c'est quel bac toi tu vas avoir? C'est quel bac tu vas avoir? Tu vas l'écrire quoi là-bas? La terminale, c'est une classe où on réfléchit. Pour réfléchir, il faut que ton cerveau soit sain. Le cerveau est endormi par l'alcool. Le cerveau est alcoolisé depuis 13 ans. C'est quelle philosophie tu vas faire en terminale? C'est quelle mathématique tu vas faire? On te demande de calculer l'intégrale d'une fonction. Est-ce que tu as fini même de calculer même le domaine de définition de la fonction pour arriver même sur la partie d'intégrale là? Toi-même, tu sais même ce que c'est qu'une fonction affine? Tu sais ce que c'est qu'une fonction exponentielle? Une fonction ln? Tu ne peux pas savoir, puisque tu es dans l'alcool. Nos papas sont tous des alcooliques. Nos mamans sont des alcooliques. Ça va donner quoi? Ça va donner des fœtus alcoolisés et des enfants. Je vais voir mon Kadhafi. De quoi on est étonné? De quoi on est étonné? C'est de ça moi je parle ici. Et puis, vous trouvez que moi je dénigre ma population. Vous trouvez que moi je dénigre mon peuple. Maintenant, vous qui ne dénigrez pas vos peuples, venez nous trouver maintenant la solution. Parce qu'il y a urgence. L'Afrique, là, a besoin de cerveaux sains. Tous les cerveaux africains sont alcoolisés. On fait comment? On fait comment? Des chefs d'État soulards. Des chefs d'État chercheurs de femmes. S'ils ne sont pas chercheurs de petites filles, ils sont alcooliques, soulards, des femmes soulards. Tout le monde boit en Afrique. Bébé, oh. Ma chérie, tu es enceinte là, tu bois, mais c'est le fœtus qui ingurgite aussi l'alcool. Et moi, je vais interpeller nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement, nos politiques en Afrique. Moi, je pense qu'il doit avoir une brigade spéciale, une police spéciale. Façon ici en France là, tout est calculé là, tout est contrôlé là. Là-bas aussi là, il y a des failles, hein? Il y a des failles ici à la diaspora. Mais en fait, il y a au moins un peu de règles. Moi je pense que vous, les politiques, vous, ce pourquoi on vous a mis au pouvoir là, essayez de voir. Moi je vais parler au chef d'État de mon pays, la Côte d'Ivoire, Papa Ado. Papa Ado, tu as travaillé, tu fais du travail, c'est bien. Mais si tu peux créer une police spéciale pour ce problème d'alcool, Papa Ado, non, moi si tu as fait ça, moi je vais battre ta campagne. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Papa Ado, vous ne me croyez pas, Papa Ado, il faut créer une police spéciale. Tous les maquis qui sont autour des écoles, il faut tout casser. De toute façon, tu as commencé à casser les bidonvilles et puis les gens sont en train de sauter tomber là. Quand ils vont finir de sauter tomber là, nous on avance. Faut casser les maquis, les petits maquis qui sont devant les lycées, collèges, les universités là. Dans une université, il ne doit pas avoir maquis. Voilà, voilà. Les cités universitaires là, c'est pas là-bas même maquis. Papa Ado, moi je te connais comme quelqu'un qui casse. Voilà. Moi-même aujourd'hui là, j'ai fait vidéo là pour te dire qu'il faut casser. Les maquis. Non, Papa Ado, si tu as fait ça, quoi? Si moi, je n'ai pas battu ta campagne, non. Faut créer une brigade spéciale. Je te dis, il faut m'écouter, mon papa. Une police spéciale. La police, là, elle va faire le tour de tous les... Et maintenant, les bars, pour ouvrir un bar, pour ouvrir un peuple, là, il faut avoir une licence, un numéro, une licence. Et puis, et signer une charte. Dans ton bar, s'il y a une descente, s'il y a un contrôle de police dans ton bar, et puis on s'en va trouver des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, des enfants qui sont en bas de 18 ans dans ton bar est fermé, et puis tu payes une amende. Papa, donc si tu as fait ça, Bidjan, en Côte d'Ivoire, moi, Ange Priscal Dianzo, il fait ta campagne. Propre sur les réseaux. Tu crois pas? Faut faire, tu vas voir. Faut créer une police. Tu vas libérer la vie, hein, de notre jeunesse. Comme ça, ils vont étudier. De toute façon, tu as eu doctorat là, en économie. Là. Nos enfants vont avoir doctorat. Parce qu'aujourd'hui, leur terminus, c'est BPC. Parce que les cerveaux, là, c'est alcoolisé. Donc, tous les chefs d'État africains, là, essayent de copier sur ce modèle que je viens de donner à mon président de la Côte d'Ivoire.
Parce qu'il y en a marre. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les petits... Attends, je vais voir si j'ai tous les points là que j'ai cités. Le reste, je m'en fous. Les petits Coréens, les petits Indiens, les petits Asiatiques chinois, là, les Sri Lankais, les Pakistanais, là, c'est eux qui sont dans les grandes écoles et les grandes écoles d'ingénieurs, les Polytech, HEC Paris, c'est eux. Ce sont les enfants qui sont là-bas. Nos enfants, s'ils sont arrivés trop loin, là, c'est CAP. Ma chérie, ton enfant va faire quoi, un CAP? Toi, tu as quitté l'Afrique, tu es venu à la diaspora. Ton enfant va faire quoi, un CAP? Ton enfant va faire quoi, un CAP? C'est la question que je te pose. Parce que même ici en France, à la diaspora, là, nos enfants sont alcooliques. Hein? Vous allez descendre dans les cités, là. Les cités de la diaspora, là, vous descendez ici, les enfants, là. En train de boire l'alcool, fumer, chicha en pleine rue. Parce que, mais ils voient les parents faire ça. Bon, les chefs des familles aussi, vous êtes aux abonnés absents. Vous, non, papa, là. Vous n'êtes pas dans les foyers pour éduquer les enfants. Tous les week-ends, vous êtes partis. On ne sait pas où vous partez. Quand on dit vendredi soir, là, André, on vous a électrocuté. Vous tremblez comme ça. Vous venez, vous vous changez. Monsieur prend sa voiture. Là où il est parti, là, c'est dimanche à minuit, tu vas le trouver. Maman aussi, les week-ends, soit le week-end arrivé, elle est dans mariage, baptême. Le dimanche, elle est à l'église. Quand elle va comme ça, là, quand le culte finit, elle est devant le bureau de papa pasteur. Quand elle rentre dans le bureau de papa pasteur comme ça, là, elle fait 2 heures, elle reçoit, elle est avec maman pasteur. Le temps, elle rentre à la maison, il est 19h. Les enfants, là, sont livrés à eux-mêmes. Mais ils vont boire l'alcool, ils vont noyer leurs soucis dans l'alcool. Parce qu'ils n'ont ni papa ni maman. Un enfant qui n'a pas papa, qui n'a pas maman. Mais il va noyer ses problèmes, sa solitude dans l'alcool. C'est dans ça que nos enfants sont. Parce qu'ils n'ont ni papa ni maman. Est-ce que maman a fini de porter Mac? Est-ce que maman a fini de mettre mes chemins, faux cils, faux ongles? Maman n'a pas fini ça. Il y a les funérailles. Maman passe toute sa soirée de vendredi et samedi dans les funérailles. À quelle heure maman va aller contrôler le cadavre ou même les tiroirs de l'enfant s'il n'y a pas une petite bouteille cachée là-bas? Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, en fait, ils sont là comme ça, ils boivent l'alcool. Vous ne savez même pas. Mais quand on ouvre ton frigo là, qu'est-ce qu'il y a pas là-bas? Maman, ton mari a toujours une bouteille de vin au frigo. Si ce n'est pas une bouteille de vin, c'est casier de bière. Vos maisons, vos frigos sont toujours truffés de casiers de bière. Les enfants, quand ils ouvrent là, ils ont cette vue, ils ont ce visuel-là. Et ça leur envoie un message. Leur cerveau est formaté depuis le bas âge à voir devant leurs yeux vin et puis bière. Donc, dès qu'ils ont 12 ans, 13 ans là, c'est parti. C'est ça, hein? Quand on vous parle comme ça là, vous allez trouver que non, l'homme en fait un peu trop, c'est l'air dit quoi? Bande de sauvages que vous êtes. Papa adore, c'est ça. La partie où j'étais, il a parlé de toi là. Il faut essayer de voir. Bisous là-bas.